C'est important pour nous de les sensibiliser sur qu'est-ce qu'est le hip-hop à la base et pas qu'ils le découvrent seulement aux JO en tant que discipline comme la gymnastique ou comme ce genre de choses. Essayer de les toucher avec l'histoire. Là, le Methods, il a pu parler du Brooklyn Step, par exemple. Donc, un step qui vient de Brooklyn. D'où vient le b-boying? Comment c'est arrivé? Et l'importance aussi d'écouter la musique. C'est pas seulement un enchaînement de steps. C'est aussi écouter la musique et voilà, c'est très important. Leur expliquer que c'est leur créativité, donc c'est leur volonté, je pense que c'est le plus dur parce qu'il y a des moments où ils vont nous recopier en tant que Playmobil alors que la danse c'est une identité particulière. Moi j'ai une identité, mon pote Methods il a une identité, chaque b-boy va avoir une identité et c'est ce qui fait la diversité dans la danse en fait. Si on pouvait leur amener plus de créativité, les faire s'évader un peu dans leur tête. Nous, c'est notre but aussi, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'être dans, donner de la matière, mais aussi les laisser feeling dans ce qu'on leur donne, quoi. C'est important, quoi.